Et bien salut tout le monde, c'est Blizzka, aujourd'hui on se retrouve pour nos aventures sur Dragon Ball Z Kakarot I... C'est ça parce que j'ai eu le temps de lui attirer la moitié de sa vie. Enfin, c'est pas la moitié de sa vie, non mais... Wow, t'es con, va. Bah, c'est bizarre, il me tue pas, il me fait pas de dégâts, c'est normal. Voilà. Easy. Je peux le récup ou alors... リンゴ一つ自分で取れずに泣いていたガキが少しはマシになったようだな。僕ここに置いていったおじさん、俺はピッコロだ。覚えておけ。ピッコロさん、お父さんが昔戦ったことがあるって言ってた、あのピッコロさん。 少しは父親から俺のことを聞いていたか。ならば俺の恐ろしさも聞いているだろうな。あ、確か昔はピッコロ大魔王っていう悪いやつだったって。では本格的にしごいてやるとするか。まずは飛べるくらいにはなってもらうぞ。 よし、そうだ。気のコントロールができ始めたようだな。浮かれていられるのも今のうちだ。本当の戦い方を教えてやる。手合わせの準備をしろ。準備ができたら俺のところへ来るんだ。念のため言っておくが、逃げるなよ。いいな。 Ouais, Sangohan peut enfin voler! Yeah! Enfin, bordel! C'était moins sévère, mais tu viens pas à peine de le rencontrer, enfin, de le rencontrer si on peut dire ça. Ouais, ok. Faut prendre un maximum d'orbes en fait. Alors, laissez-moi prendre quelques orbes et après on ira se fighter. Autant Sangohan, techniquement on peut le pêcher. Ah, mais non, de toute façon, on pourra quand même le pêcher. Arrangez les ennemis! Tiens, 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 tiens! Ouais! Tête, 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 tête! D'accord, donc il sait déjà se battre. Logique! Il maîtrise déjà super bien son ki. Logique aussi. Il a beaucoup de plus de HP que Piccolo. Logique aussi. Ah mon dieu, il a fait son premier combat avant même d'avoir été voir Piccolo. Waouh. Truc de gueudin. C'est quoi le 4 secondaire en bas là? Ah. Salut. Viens vous aider la petite vieille. Bonjour. Vous avez besoin d'aide? Est-ce que ça va madame? Ah, ce robot ne veut pas me mettre tranquille à l'aide. Bip bip. Un avenir incertain, waouh. On va aider une petite vieille. C'est pas rassurant, mais je dois aider cette dame. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il connaît déjà les attaques d'ailleurs? J'ai même pas regardé. Par contre, il peut déjà faire un kamehameha ou ce genre de conneries. Là, je rigole pas. Moi. Il connaît déjà le Masenko? Freak!
dégâts, moi. J'ai pas de soutien, moi, bien sûr. Voilà. Yeah. Ah, c'est pas difficile. Et un petit rang S en plus du 7, attention. Phew. J'étais pas sûr de pouvoir l'arrêter. Hein, bravo, mon garçon, tu m'as sauvé. Vous ne devriez pas rester ici, madame. Il y a toutes sortes de dangers dans les parages. J'en suis parfaitement consciente. Cependant, il fallait absolument que je mette la main sur une chose qu'on ne trouve qu'ici. En fait, j'espérais envoyer mes assistants à ma place. Mais bien sûr, ils se sont plaints de maux de ventre et de tête. Je me demande bien à quoi ils me servent. Hein. Voilà donc pourquoi je suis venue ici toute seule. Et qu'est-ce que vous cherchez exactement? Oh oh oh, tu es bien curieux, dis-moi. D'accord, je vais te montrer. Elle la présente à son sangone, une superbe pierre. C'est une pierre! Pas n'importe laquelle, elle renferme le pouvoir nécessaire pour renforcer la boule de cristal dont je me sers lors de mes séances de divination. Ah, vous êtes voyante! Oh oh oh, c'est exact, je m'appelle Baba, ton père et moi sommes de vieilles connaissances. Quoi, vous connaissez mon père? Oh oui, depuis sa plus tendre enfance, hein! Mince! Le mec il a les sangones et dit mince quand même. C'est tout ce que je te dirai sur notre relation. Si tu veux en savoir plus, demande à ton père, c'est lorsqu'il reviendra. Un homme de cristal m'attend. Je compte me servir du pouvoir de cette pierre pour prédire l'avenir de la Terre. Depuis quelque temps, mes visions manquent de clarté lorsque j'essaye de voir ce qui va arriver à cette planète. J'ai peur qu'une tragédie imminente m'échappe. C'est pourquoi j'espère amplifier la puissance de ma boule de... Ok, on a compris. Oh, j'ai une idée. Tu pourrais vérifier son efficacité en lisant ton avenir. Ce sera ma façon de te remercier de m'avoir sauvé. Merci, c'est gentil, mais je n'ai pas vraiment le temps. Elle sera rapide, t'inquiète pas. Ok, ok, on a compris. 10 millions de zénith par séance. Tu te rends compte, et je suis prête à te faire ça gratuitement. Ah oui, vous n'exagériez pas, hein, c'est vraiment une fortune. D'accord, je veux bien que vous lisiez mon avenir. Ok, très bien, commençons tout de suite. Oh, 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 là 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 là, oh là là, par exemple. Qu'est-ce que vous voyez? Ça me dit un qui vaille. Dites quelque chose, vous me stressez. Ton avenir sera fait d'une série d'épreuves plus difficiles les unes que les autres. Des épreuves? Ton existence est placée sous le signe de l'adversité. En toute honnêteté, c'est la première fois que je vois une vie aussi éprouvante. Oh non. Enfin, bien qu'elle soit encore loin, je vois aussi une lumière vive au bout du tunnel. Ta situation n'est pas totalement désespérée. Ah d'accord, merci pour la prédiction, madame, je suis pas mieux d'y aller. Sache que je ne me trompe jamais. Si je te dis qu'il y a une lueur d'espoir, tu peux me croire. Bien, passons à la Terre, à l'avenir de la Terre. Je vois que deux orbes vont atterrir ici. Mais ensuite tout est noir. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette boule de cristal? J'ai pourtant amplifié sa puissance. C'est peut-être un signe qu'il va se passer quelque chose d'incroyable. Ces ténèbres. L'avenir de ce garçon en était rempli également. Mais il y avait une source de lumière quelque part. Son avenir est peut-être intrinsèquement lié à celui de la planète. Dans tous les cas, il est clair qu'il y a une connexion. Il s'agit tout de même du fils de Sangoku. Je sais que cette planète est entre de bonnes mains. Quelle que soit la tragédie qui la menace, j'attends de grandes choses de toi, Sangwan. Un livre pour adulte génial, ah oui, bravo, carrément. Donc vous dites que je peux m'attendre à en baver dans la vie, c'est ça? Pff. Eh ben oui, gamin, hein, faut en baver dans la vie. Hein. Vol! Merci. Rentre. Si vous avez là. Ah, ça me sort en bas, putain. Mais quel teubé! Nigezuni kitana. Hajimeruzo! Sasa to kamaero! Même pas le temps de boire un coup, putain. T'as aucune chance, Piccolo. Je suis fils de Papounet. Putain, t'as déjà fait tout ça? Mais c'est un thug. Oh merde. Oh, putain. Pourquoi tu m'as dit meurs? Mais t'es un connard, en fait. Tu m'aimes pas, hein. Parce que ta mère t'a abandonné, c'est ça? Tu veux me le faire payer? Ce petit con!
C'est pas parce que t'es vert que je vais m'en... Oh. Allez, Piccolo, là. Allez, finish. Terminé, easy. この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。ねえ、ピッコロさんは昔お父さんと戦ったんでしょ？まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ。生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ち、僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕置きじゃないぞ。いいぞ、カイオ様。このオーレンガの超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。ん？そりゃ！おお、あっさりと。まあ見事だ、孫悟空。苦労したもん。何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。休んでる暇はないぞ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。覚悟しておけと言ったことを忘れたか。でも少しくらい。甘ったれるな。死にたくなければもっと強くなるしかないんだぞ。この俺よりも、そしてサイヤ人よりもな。わかってるけど。くだらんことを言う暇があるなら戦え。わば。ひとまず飯だ。続きはそれからだ。食べるときと寝るとき以外ずっと修行ばかりやってたら、強くなる前に僕死んじゃうよ。それに僕なんかがお父さんやピッコロさんみたいに強くなれるはずないし。そうだ、どうせならこのまま家に帰って。よし、ちょっと食べ物を探してこようかな。Il y a des missions secondaires ici dans le coin.
pas l'air d'en voir. Ah, ok. Alors, je vais aller à la maison de Sangoku. Let's go! Liberté! Ouais! Juste comme ça, dinosaure. Putain, mais d'où tu sors, toi? Oh! C'est très bien d'avoir des autres types d'ennemis aussi là parce que... Et voilà. Bon, il est où le dino du coup? Ah, il est là. Il peut me choper d'ici, même pas. C'est nul. Mais c'est naze en fait, parce que s'ils peuvent rien faire quand on est en hauteur, c'est quoi l'intérêt en fait? Ah, niveau 3. C'est bien plus intéressant en vrai. Voilà. Ah, j'ai gagné un level. J'ai récupéré toute ma vie. Bon, il est passé où le dino là? Dino! Regardez, c'est nul en fait, tu te fous là et c'est bon quoi. Ils savent pas voler les dinos, comment vous voulez qu'ils fassent quelque chose le pauvre? Regardez, ils n'ont rien à faire! C'est naze! Si moi il me sautait dessus là, ce serait pas mal. C'est quoi tous ces marqueurs là? Ah, c'est des ennemis, d'accord. What? Pourquoi là, toujours? Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de difficulté hein, quand on regarde. Hein. D'ailleurs, je vais regarder un truc vite fait. Est-ce que je suis en mode facile? Il n'y a pas une option avec... Ralentir un combat... Non, je suis même pas sûr qu'il y ait un système de difficulté dans le jeu. Par contre, le jeu... paramètres graphiques... on va pas se mentir, pas terrible, hein. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas y a quasiment rien. Hein. Bon, si on allait voir Piccolo. Non, maman plutôt. Je me doute bien qu'il faut que je récupère un maximum d'orbes aussi pour pouvoir augmenter les personnages, mais bon. On va se contenter des levels pour l'instant. Parce que putain, il y a sacrément d'orbes. Ça va, il peut jouer assez longtemps, en vrai. Maman, j'arrive! Allez, anata wa doko ka de mita youna. Nani? Moshikashite, Goku-san no musuko-san kana? Boku, Son Gohan da kedo, oto-san shitteru ma? Soryo mo, issho ni boken shita koto mo arimasu kara. へえ。僕はプーアル。悟空さんから聞いたことは全然知らないよ。
あの悟空さんですもんね。でもヤムチャ様の話は聞いてるでしょ。ん？別に聞いて。当然聞いてますよね。どうしてここに？そうだった、いけない。ヤムチャ様にご馳走を作ろうと思ってたんです。この辺りは新鮮な食材が多いので集めに来たんですよ。そんなわけで僕は食材集めに戻りますね。もう少し集めたいですし。あ、うん、僕もお腹空いてきちゃった。お母さんに何を作ってもらおうかな。やっぱり肉まんかな。うわー、やめろ。おら、des ennemis un peu plus difficiles. OK. Voilà. Ouais, on a fait très difficile, hein. T'es en train de me dire que le coup météor demande du ki? C'est chaud quand même, hein. あんな悪いやつがいたなんて。またいつか出会うかもしれない。用心しなきゃ。ありがとうございます。それにしてもとっても強いんですね、ごはんさんって。わ、そうなの？気づいてなかったんですか？まるで天下一武道会で優勝した時の悟空さんみたいでしたよ。お父さんみたいに？僕そんなに強くなってたんだ。さすがは悟空さんの息子さんですね。勇敢だし強いし。僕なんか敵も追い払えないくらい全然ダメダメなのに。でも逃げなかったじゃないか。今ヤムチャ様は厳しい修行をしています。だからせめて差し入れでもと思って。それにヤムチャ様は言うんです、お前が期待してくれるから頑張れるんだって。だから僕も頑張らなきゃって思うんです。みんな頑張ってるんだ。いけない、そろそろ戻らないと。仕込みの時間が取れなくなっちゃいます。助けてくれてありがとうございました。それではこれで。うん、くピッコロさんは怖いけど本当に僕強くなってたもんね。もうちょっとだけ頑張ってみようかな。僕もお父さんやピッコロさんみたいに強くなってお母さんやみんなを守るから。C'est mignon. Ah, passion d'ennemis malfaisants. What?もっとしっかり修行すれば今より強くなれるかな。よし、頑張ろう。Apparition d'ennemis puissants. Ouais, enfin, y a rien là, mais bon. Attendez, j'ai juste fait une petite sauvegarde. Parce qu'on sait jamais que je meurs. Enfin, quoi que vous me direz, hein. Sauvegarder, hop. Sauvegarder ici. Je sais pas si on va retomber sur votre île maintenant, dans la logique.Pas en direction, ouais, c'est ça. Marécage. Marécage. Allez! Bon, sinon, on n'a pas encore beaucoup joué sans Goku, hein, j'ai envie de dire. Hein. Pourtant, hein, l'anime, il tourne un peu autour de lui. Hein. Il peut même pas s'entraîner, rien. Mmh.
Mais cette marque, il me semble que mon père m'en a parlé il y a longtemps. Je crois que c'est la marque de l'armée du ruban rouge. Je croyais qu'ils avaient disparu depuis longtemps, mais certains de leurs bâtiments tiennent encore debout. Je parie que ces robots ont été programmés pour garder les bâtiments. Ok, donc maintenant il y a des bases. On va laisser les faire. Non, on peut pas. Comment on entre? Ça marche pas. Ah si, ça marche en fait. En fait, faut juste les détruire. En tout cas, c'est sympa ces petits trucs sur la map, hein. C'est quoi ce machin? Ah oui. Bon, ah, mais là, parlant d'ennemis. Ouf. Bon, vas-y, vous savez quoi, on va tester. En vrai, il doit pas être super balèze, hein, même à ce level. Allez! Oh putain, il... Oh merde! Comment je me tire? Je pourrais jamais gagner! J'ai trop de PV! Ils vont me battre là! Pourquoi est-ce qu'on pouvait pas... Ah là, je suis mort. D'accord. Ah merde, putain, ma souris est en plein milieu, j'avais pas vu. Ah, bah magnifique, dis donc. Il y a même... Quoique... Attendez. Bon, ça va, au moins on sait que les ils sont maintenant. Mais la question que je me pose là, globalement, c'est est-ce qu'on peut voir quel level ils sont sur la map? Non, il n'y a même pas moyen de savoir! Donc en gros, c'est. Pas une touche pour pouvoir se barrer du combat. Ah bah oui, bien entendu, je vais à mettre, mais il me fout les trucs en... Je sais pas, Shuriken... Y'a pas une option fuite? Non... Ah, faut... J'ai pas cherché à comprendre. On va donc éviter ces passages. Ah non, mais putain, mais d'où tu sors, connard? T'es que niveau 2! Que tu vas me faire chier, bim! Ah, t'es déjà mort. D'où tu te permets de me taper, hein? Donc on va éviter les trucs rouges. Mais c'est pas possible de bien. Ah, mais non, d'accord, son outil de vision. Ouais, d'accord, son outil de vision, on voit quel level ils sont. On va peut-être pas jouer au diable à la souris. Même si ça va... Enfin, au chat et à la souris. Piccolo! あの全力で来い。え？この俺を倒すつもりでな。どうした？俺や孫悟空のように強くなりたいんじゃないのか？は、はい。どうした？OK。Alors je te tue maintenant, OK？行きます。ピッコロさん。やっほー。J'y arrive, Piccolo! Allez, bouffe! Allez, bouffe, gros! Waouh! J'arrive! Easy! Non?
Non, j'ai pas fini en plus. Donc, ce que je lui ai mis. What? Comment ça se fait que j'ai une animation comme ça? C'est cool. Yoyaku katachi ni wa natte kita ka, kuso gaki. Ya, gohan. Arigatou, Piccolo-san. Dōki ga boroboro ni naru kurai, jikan kakatchatta kedo. Dewa, ore ga atarashii dōgi o kurete yarou. Kono dōgi tte... 何か文句でもあるのか？うん、ありがとうピッコロさん。いよいよ決戦の日が近づいてきたぞ。サイヤ人たちは明日地球に降り立つ。あ、しまった。何？どうしたんだ？お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかった。わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろ。わかった。イデオ、シェンロン。頭の上の輪が消えたぞ。生き返ったのじゃ。急いで行け。はい、いろいろありがとう、カヨ様。そして、決戦の時は近づいた。激しき死闘、絶望を呼ぶ二人のサイヤ人。地球って言ったな。まあまあの星じゃないか。ピーピーうるさいひよこたち、挨拶してやろうかな。とりあえず戦闘力の一番高いやつを探すんだ。そいつがラディッツを殺したやつだ。あるいはカカロットの息子かもしれん。ん？見つけたぞ。よーしナッパ、遊びに行ってやろうぜ。ものすごい気が近づいてきてる。ピッカロさんに知らせなきゃ。Oui! Enfin, on va avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Alors, du coup. J'ai plein de bouffe, mais en fait, j'ai jamais rien cuisiné. Y'a pas un truc à cuisson dans le coin? Oui, ça va être son Jaron, on avait compris. C'est quoi les. Comment entraînement? Cuisine. Peut-être me dire que dans cette foutue zone à la con, il n'y a pas. Ah, si, je crois que c'est là-bas. Non? Si? Marchand. Ah non, quoique, attendez. Est-ce qu'il y avait une icône de chef? Il y a de la bouffe. Ah ouais, une icône de chef. Désolé Piccolo, ça attendra. T'as
Alors, il est où le campement? C'est le truc de la bouffe. Non, non. Ah, le truc de la bouffe. Préparer la place. Qu'est-ce que je peux préparer? Il faut du loup, il faut des oignons. Même quoi? C'est plus 50 PV. C'est con ça. Ça revient au même en fait. Ah, vu que j'ai pas pu. Ah, ouais, d'accord. Il faut vraiment se faire chier en vrai. Du bon rotialos. Arigato gozaimasu. Allez, moi aussi je vais faire Arigato gozaimasu. Sur ce, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager, à vous abonner à mes réseaux sociaux si vous le souhaitez. Et sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la houiiiitude. Comme d'habitude, j'aime beaucoup. Vous connaissez la chanson, vous connaissez ce que c'est le dicton. Je vous laisse. Je fais plein de pouces partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bye, bouti bouti. Et que l'amour du pédulus soit avec vous. Peace!